joue le Langan ce matin sur la canon. C'est en bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est couvert avec un peu de bruine, mais c'est en train de s'arrêter la bruine et le temps est en train de s'éclaircir un petit peu. La température extérieure est à 11 degrés. On aura 14 degrés dans la journée. La température de l'eau est à la baisse ce matin à 12 degrés. On aura 12 à 13 degrés dans l'après-midi. La marée est en train de descendre. Le plein bas est à midi 50, coefficient de 114. Et on a sur ce descendant un vent qui est déjà nord-nord-ouest 1 à 2 Beaufort ce matin. Plan d'eau clapoté, clapotis. Et de la houle qui est longue, 14 secondes de période, qui rentre avec un secteur ouest. Une houle qui rentre sectionnée avec des séries très espacées. On a un déferlement qui est régulier à la hauteur de 50 cm. Les séries qui rentrent fréquemment sont à 50 à 80 cm. Et sur les grosses séries longues à venir, on a 1 mètre. Par contre, on est revenu dans de la bonne fermeture. Ça ferme à qui mieux mieux. En veux-tu, en voilà. Ça, c'est fermeture, mon amour. Ça ne fait que fermer. Il y a quand même quelques petits bouts pour les très, 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 très motivés. Mais franchement, c'est pas terrible. Évolution pour le reste de la journée. Toutes les bouées sont à la hausse. Brest est à 2,10 m et 7 secondes. La bouée Arcachon est à la hausse à 1,70 m et 7 secondes. On attend à 13 h 1 mètre à 1,20 m. Sur une houle d'ouest, 14 secondes de période avec toujours le vent nord-nord-ouest mais qui se renforce à 2-3 Beaufort. Et à 17 h, encore 1 mètre, 1,20 m, houle d'ouest, 13 secondes de période, vent qui passe nord-ouest et qui s'établit à 3 Beaufort, des conditions agitées et dégradées aujourd'hui, mais bon, à surveiller. Sur le plein bas, peut-être qu'il y aura quelques vagues au large, quelques vagues au bord, ou sinon avec le plein haut, ce soir, avec les gros coefficients de marée, on aura peut-être quelques vagues qui vont passer à surveiller. Dans tous les cas, ça sera de la houle un peu agitée, un peu en pic, ce qui n'est pas un mal avec la qualité des bancs que nous avons actuellement. Vous avez le bilan du mois de mars, si vous voulez revivre ce super mois, sur le site lacanonsurfinfo.com. Là, on voit les belles lignes. On vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. On suit l'évolution des conditions et on se retrouve à 11 h 30 pour le prochain point. Merci.